Member statements. Déclaration des députés. The member for. La parole au. Toronto St. Paul. Au député de Toronto St. Paul. Je ne sais pas encore l'expérience de comment s'occuper de parents qui sont mourants chaque jour, à chaque heure, tout en travaillant également et tout en éduquant des enfants et en les aidant à naviguer l'école. Les membres communautaires qui sont des travailleurs essentiels m'ont contacté. Une d'entre elles se réveille à 5h45 et elle travaille chaque jour. Sa journée ne finit jamais. Deandra, qui est son nom, continue de s'occuper de sa mère et elle n'a pas été en mesure d'avoir des soins domicile. Elle est complètement épuisée physiquement et mentalement. Linda, qui reçoit des soins palliatifs pour sa mère, qui est une soldate, une ancienne combattante. Elle reçoit de l'aide financière pour 30 jours pour couvrir les soins à domicile la nuit. Et elle a survécu pendant 30 jours. Le financement a été annulé pour les soins à domicile la nuit. Linda et sa famille sont complètement épuisées et n'ont pas de PSSP. Monsieur le Premier ministre, Deandra et Linda, c'est deux familles à Saint Paul. Il y en a beaucoup, je vous le garantis. Elles ont besoin d'aide. Elles en ont besoin depuis longtemps. Les proches qui sont mourants ne méritent pas d'attendre. Au Premier ministre, quand est-ce que les familles de Saint-Paul auront accès à des soins à domicile plus universels pour s'occuper de leurs proches? Merci. Déclaration des députés, la parole au député de Carleton. Merci, Monsieur le Président. Le jeudi, je vais présenter une motion dans la Chambre pour demander au gouvernement d'incorporer les formations liées à la violence pour tous les agents de police futurs. Et je vais prendre un moment pour en parler. La coalition canadienne pour le lien a été formée à la suite d'un nombre de problèmes qui ont eu lieu en 2017 lors de la conférence nationale. Et le but, c'est de rassembler ensemble les personnes qui sont engagées dans ce problème. Pour lutter contre la violence faite aux humains et aux animaux. Le problème a été présenté par une de mes commettantes qui enseigne ce cours à la police d'Ottawa, partout au Canada et aussi aux États-Unis. Les études récentes ont montré que la violence contre les animaux et les gens ne sont pas des problèmes distincts et séparés. Ce sont des problèmes qui font partie de tendances de violence plus générales qui mènent souvent à des crimes. Les violences incluent la violence conjugale, la violence sexuelle et les homicides. Et cela a mené justement aux abus contre les animaux. Je suis impatient de parler de cela dans la Chambre le jeudi. Merci. Merci beaucoup. Déclaration des députés, député de London-Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je prends la parole pour parler de nos héros des soins de santé qui nous tiennent beaucoup à cœur. Ça fait des mois que la subvention relative à la pandémie et les paiements ont été versés à ces héros et bon nombre d'entre eux se demandent pourquoi ils ne sont pas sur la liste. Et j'ai eu plusieurs de conversations avec eux et j'ai du mal à leur expliquer pourquoi cela survient. Des héros comme les techniciens de laboratoire, les PSSP, les aidants et plusieurs d'autres. Pourquoi est-ce qu'ils n'étaient pas admissibles? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de récompense par rapport à leur travail? Et bien qu'ils sauvent des vies, travaillent en première ligne et leurs emplois sont très importants pour nous maintenir tous en sécurité, il y a des semaines, j'ai souligné le problème d'un employé de la première ligne qui a dû repayer sa subvention pandémique parce qu'ils ont été jugés de ne plus être admissibles. Et elle a été vraiment choquée de devoir recevoir puis ensuite rembourser. Et le manque de clarification là-dessus est vague.
Il y a de nombreuses incertitudes et des manques de clarification là-dessus. Le personnel se demande pourquoi certains sont admissibles et d'autres ne le sont pas. Alors je demande au gouvernement d'étendre la liste et de permettre aux travailleurs d'obtenir l'aide dont ils ont besoin. Merci. Déclaration des députés. Député de Whitby. Merci, Monsieur le Président. Les services de santé mentale à Durham et à Lakeridge Health ont pris une mesure importante pour intégrer leur opération. Et ce partenariat va permettre de fournir des services de dépendance et de santé mentale plus aigus et plus améliorés dans cette région. En travaillant ensemble, ces deux services vont permettre de mieux coordonner les services dans la communauté et dans les contextes de soins intensifs afin de faciliter la transition et de faciliter les connexions pour rendre les services plus appropriés pour la première fois dans cette région. Les efforts continuent dans ces deux hôpitaux et le personnel travaille ensemble pour essayer d'identifier les fossés actuels et essayer de trouver des moyens d'améliorer les services et le soutien pour les résidents. C'est une opportunité importante pour avoir un système de santé plus intégré pour la santé mentale. Et en le faisant, nous allons transformer la façon dont ces services sont fournis et sont accessibles partout dans la région de Durham. Merci beaucoup. Merci. Déclaration des députés. Député de Wissitsugastate. J'ai l'honneur de me lever aujourd'hui pour parler de la situation financière de ma thèse Val-Côté, une magnifique petite municipalité franco-ontarienne à Mushkegwak-Bay-James. Alors que le CT Énergie a pris la décision de fermer la station 92 du pipeline de gaz naturel, la municipalité perdra à peu près 500 000 $ en impôts foncières. Ça peut être du change pour une ville comme Toronto, mais ça équivaut à 20 % du revenu pour ma thèse Val-Côté. Et bien que la municipalité travaille jour et nuit pour trouver une solution à ce défi, les résidents de ma thèse pourront perdre des services comme des activités pour les enfants et le déblayage de trottoirs. Monsieur le Président, la municipalité doit présenter un budget équilibré et offrir des services essentiels aux résidents. Il y a plusieurs défis dans le nord de la province, mais, ne pas avoir de trottoir l'hiver, ça ne devrait pas en être un. Je demande donc au ministre des Affaires municipales et de logement de me rencontrer pour que les gens de Mathès ne perdent pas des services dont tous les Ontariens méritent. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés, député de Cambridge. Bonjour. Juste quelques points ce matin. J'aimerais dire publiquement que les 21 médecins qui ont écrit au Premier ministre le 21 juillet n'ont pas reçu de retour. Stephen Krafchik, Susan Richardson, Rob Surgeon, Nick Mazzuri, Ivania et George Youssef. J'aimerais également dire publiquement l'étude qui a été publiée en juillet 2020 qui montre qu'il y a une augmentation dans le taux de suicide qui est relatif à la quarantaine. Et ce sont des coûts sociaux tragiques qui ne seront pas fournis dans les données publiques. Et j'aimerais finalement mentionner que l'Organisation mondiale de la santé a envoyé une étude et un document qui demande à ce qu'il y ait des moyens primaires pour essayer de réorganiser, de regrouper et d'équilibrer les ressources afin de protéger les travailleurs de santé. Les garçons des députés, députés de Oakville. Merci, Monsieur le Président. Je suis honorée de prendre la parole aujourd'hui dans l'Assemblée pour parler d'un investissement important dans notre circonscription qui bénéficie tous les Ontariens. Le 8 octobre, j'étais heureux d'accueillir le Premier ministre et le ministre du Travail à Oakville pour annoncer que notre gouvernement va investir 295 millions de dollars dans l'entreprise de Ford
Dans cette zone, le gouvernement fédéral également a investi la même somme afin d'aider cette entreprise à investir encore plus pour réoutiller ses véhicules et les rendre plus électriques. Le complexe de l'Assemblée a travaillé également depuis 1953 avec la compagnie et je suis heureux de voir que nous allons continuer d'appuyer cette entreprise. Les véhicules électriques sont très importants alors qu'on essaye de réduire notre empreinte carbone. Trouver des moyens d'investir dans ces véhicules verts vont permettre d'améliorer l'économie ontarienne. Ces investissements ont sécurisé 3 000 emplois directs ainsi que 63 000 emplois indirects dans le secteur automobile dans la province. De plus, le secteur des ressources naturelles en Ontario, le secteur des mines vont également offrir d'autres occasions dans l'avenir. Et ces investissements à Oakville et dans toute la province vont permettre de financer ces innovations en termes de véhicules électriques. Et je remercie tous ceux qui ont participé dans ces investissements. Merci. Déclaration des députés. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors que nous entrons dans la deuxième vague de la COVID-19, les gens de ma circonscription essayent de rester en sécurité. Alors que les entreprises ferment de plus en plus et que les températures se refroidissent, les gens passent plus de temps à l'intérieur et sont plus exposés à la COVID-19. Ça a pris déjà des semaines pour que le Premier ministre nous partage son plan pour la deuxième vague et on voit déjà que le plan contient des lacunes. L'un des aspects principaux, c'est les appels pour les vaccins contre la grippe et pour les tests COVID-19. Plusieurs familles m'ont appelé, m'ont contacté pour dire qu'ils sont encore en attente pour avoir les tests. Dans les foyers de soins de longue durée, on voit que les cas sont encore à la hausse. Nous ne pouvons pas permettre une répétition de la première vague. On ne peut pas permettre une autre catastrophe dans les foyers de soins de longue durée. C'est pour cela que les néo-démocrates ont fourni un plan pour améliorer les services dans les foyers de soins de longue durée, pour avoir plus de lits, une privatisation des soins de longue durée et améliorer les normes en termes de soins, fournir les PSSP avec de meilleures conditions de travail. La privatisation a été un désastre et la majorité des foyers de soins des décès dans les foyers de soins de longue durée relatifs à la COVID-19 ont eu lieu dans les foyers privés. Alors je demande au gouvernement d'augmenter les ressources pour pouvoir faire face à la deuxième vague. Député de Mississauga Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole avec un cœur lourd pour parler du fait qu'un jeune homme a été abattu dans ma circonscription ce mois-ci parce qu'il a été cogné par un chauffeur en état d'ébriété. Comme mon fils, il avait 19 ans, il était au lycée. Sa famille le décrit comme un jeune homme intelligent et qui travaillait dur. Le mois prochain, MAD Canada va lancer son projet annuel pour la sensibilisation de la conduite en état d'ébriété. Je demande à tout le monde d'appuyer ce projet parce que cette catastrophe nous rappelle à quel point on doit travailler encore longtemps contre ce problème. Je remercie également la police de la région de Peel pour leurs efforts pour assurer que les chauffeurs qui conduisent en état d'ébriété sont arrêtés. Ce genre de comportement est inacceptable. Au nom de tous les députés, je veux offrir mes sincères condoléances aux familles du jeune homme et à tous ceux qui ont été affectés, qu'ils reposent en paix. Merci. Déclaration des députés, la députée de Kitchener-Sud-Hespeler. Merci, Monsieur le Président. Je prends la parole pour honorer une famille qui s'est vue le monde bouleversé lors du décès de leur fille de 4 ans en février. Et donc, malgré ces difficultés, cette famille travaille d'arrache-pied pour que cette tragédie ne se reproduise pas. Je parle de la docteure Jennifer Kagan. Leur fille a été tuée dans un parc à Milton plus tôt cette année.
c'était un meurtre-suicide par son père biologique. Elle était pleine de vie. Je l'ai vue jouer avec ses jouets. Et en fait, elle avait une panneau, son premier jour de maternelle, mais on voyait très bien qu'elle attendait avec impatience la maternelle. La Dr. Kagan a parlé devant le comité lors de l'étude du projet de loi 207. Elle a dit que c'est un excellent pas de l'avant d'apporter des changements. En tant que mère, je comprends même comment elle peut poursuivre ses efforts. Ses jours sont pleins de colère et de peur, mais elle arrive à honorer sa fille. Elle a dit que le projet de loi 207 apporte des changements nécessaires qui sont trop tard pour sauver sa fille, mais qui pourraient changer une autre. Il faut, selon la Dr. Kagan, une formation des juges entourant la violence à caractère sexuel pour que les juges comprennent ce genre de maltraitance et la manière de s'y attaquer. Merci.